Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour vraiment très simple à réaliser, mais très intéressant pour adapter une petite histoire, une petite routine autour. Vous allez voir, vous allez trouver le concept sûrement très intéressant, et vous allez voir, vous allez présenter ce tour très rapidement, instantanément quasiment, sans prise de tête à vos spectateurs, le tour avec un super effet à la fin. Bref, je vous laisse tout de suite avec la démo, et comme d'habitude, pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes qu'on va donner au spectateur tout simplement dans sa main. Et c'est lui-même, on va lui demander tout simplement de faire 3 paquets comme ceci, de couper le jeu 3 fois, vraiment de la façon de son choix. Il récupère les 3 paquets comme ceci et ensuite vous allez lui demander de distribuer des cartes sur la table. Alors vraiment, il s'arrête quand il veut, imaginons qu'il veut s'arrêter ici. Le reste des cartes, il peut encore les mélanger, vraiment, voilà, comme il veut. Il continue de distribuer encore des cartes, vraiment, c'est pour vraiment faire le chaos et que les choix sont le plus aléatoires possible. Il peut s'arrêter quand il veut, mélanger, redistribuer, encore mélanger. Vraiment, c'est libre à son choix. Et quand il a décidé de s'arrêter, qu'il estime que ça suffit, que c'est assez mélangé et que c'est assez aléatoire, il s'arrête. Le reste des cartes, il n'en a plus besoin, il le met de côté. Il récupère les cartes en main. Et là, vous lui demandez une dernière fois, pour renforcer le côté vraiment aléatoire des choix, hein, vraiment comme je le dis encore une fois, c'est il distribue en 3 paquets comme ceci, une à une les cartes, vraiment comme une donne de poker au final, et il fait 3 tas comme ceci, une à une. Et là, de cette manière, personne ne peut connaître à quel moment les cartes vont s'arrêter et quel est le classement des cartes. On égalise le tout, on se retrouve maintenant donc avec 3 paquets plus ou moins égaux, hein, puisqu'on a distribué les cartes une à une. Et donc avec 3 cartes qui se retrouvent sur le dessus. Mais avant toute chose, avant de vous montrer les cartes, je voulais vous montrer qu'ici il y avait une boîte. Une boîte pas tout à fait vide. Si on la secoue, on entend un petit peu quelque chose à l'intérieur. Et en réalité, à l'intérieur, j'ai 3 cartes. J'ai 3 cartes prédictions en fait, qui sont juste ici. Je vais vous le montrer, il n'y en a pas d'autres à l'intérieur, hein, vraiment. Donc on a le 2 de pique, le valet de cœur et l'as de trèfle. Et ça serait fort vraiment qu'en fait, après tout ça, le spectateur se soit arrêté exactement sur le 2 de pique, le valet de cœur et l'as de trèfle. Alors, coïncidence ou prémonition? Je vous laisse juger. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu, vous aura donné peut-être envie de vous intéresser à ce tour. Comme d'habitude, les liens se trouvent dans la description pour apprendre à réaliser le tour. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Et également, mon école de magie, www.magistreaming.fr, la seule école de magie gratuite en ligne, sans aucune inscription, sur laquelle vous allez retrouver les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces, accompagnée de tours expliqués. Également, la section VOD. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin dans la magie et qui souhaitent en plus me soutenir, vous avez également la possibilité de souscrire à Tuto Magie Premium pour avoir accès à des vidéos exclusives et également des posts et emojis exclusifs. Un concours réservé uniquement aux membres premium tous les 15 du mois. Forcément, ça augmente vos chances de gagner, hein, vu que pas tout le monde peut y participer, c'est réservé uniquement aux membres. Bien entendu, c'est un plus pour les membres premium, il y aura toujours des concours comme c'est actuellement le cas avec le concours de vendredi sur la chaîne en libre accès à tout le monde. Bref, de toute façon, toutes les infos sont dans la description. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de lâcher le gros pouce bleu, ça me soutient énormément. Le petit commentaire pour me dire ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir, je les lis tous et je réponds à tous les commentaires, ou du moins j'essaie au maximum. Bref, sur ce, n'oubliez pas l'abonnement, la petite cloche pour être notifié des dernières vidéos qui sont mises en ligne, et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.